Parfois, on fait des grosses erreurs. Et dans ce temps-là, on n'a pas le choix d'avoir recours à un avocat. Bureau de Maître Florence Dugas-Lachance. Oui, est-ce que je pourrais lui parler à Maître Florence Dugas-Lachance? Oui, un moment, s'il vous plaît. Florence Dugas-Lachance. Bonjour, Maître Lalangue Dugas dans la chambre. À quoi puis-je vous aider? Je vous appelle en ce moment d'une cellule de poste de police. Oh, je comprends, ça va pas bien. Il est en très piteux état d'ailleurs. Ah oui. Je me demande quel drogué qui est passé ici avant moi. Ah, mais on le sait, quand on prend de la drogue, on magane nos cellules. Oui, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Ah, vous allez me raconter ce qui s'est passé? Oui, mais ils m'ont donné 3 minutes, là. C'est important que je sache tout. OK. C'est très important pour moi. Bon, mais saviez-vous ça que M. Richard ou Josh? Je veux dire tout sur votre histoire à vous. Ah, OK. Le plus fidèlement possible. Ben, ça s'est passé dans un bar. D'accord. Puis j'aurais poussé un gars, là. Oui. Puis il serait tombé, là, genre. Il s'est blessé en tombant. Sa tête a cru bon faire un arrêt sur le coin d'une table avant de. Bon. Continuer son périple là, oui. Jusqu'à terre. Et pour quelle raison vous l'avez poussé? Eh bien, il m'a dit, et je cite, là, oui. Ouvrez les guillemets, oui, oui. Tasse-toi le fif. D'accord. Fermez les guillemets. Est-ce que vous êtes gay? Non, c'est pas ça. C'est le mot fif qui vous a dérangé? Ah non, c'est pas ou ça. Ou encore tasse-toi? Non, c'est le. Hein? Tasse-toi le fif. Ah, le. Puis, je m'en serais pas fait, tu m'avais dit, mettons, tasse-toi un fif. Ou okay. Tasse-toi ce fif. Est-ce que vous a dérangé? Tasse-toi ceci inclus fif. Oui, je pense que je comprends. Tasse-toi the artist formerly known as fif. Oui, je pense que j'ai compris, monsieur. Frédéric. Oui. Fif. D'accord. Vous me faire dire le, ça. J'aimais pas ça. Ça me dresse les cheveux à la tête. Je comprends. Puis dressé pas à peu près, là. Ah oui. Mon toupette qui vient me chercher mon journal. Et dans quel état est l'autre personne? Ben là, on m'a dit qu'en ce moment, il était en char avec un psychiatre. Là. Pour un choc nerveux? Ouais, on m'a dit ça, là, qu'il était avec un psy dans l'auto. Ce serait pas plutôt en autopsie? Ah, c'est ça. Mais là, votre homme, il est mort, là. Si, bon, vous annoncez ça, une mortalité, vous? On est devant un homicide involontaire, là. Mais on peut faire quelque chose, comme plaider? Je pense qu'on peut faire grand-chose pour l'aider. Plaider non coupable, je veux dire? Mais moi, j'ai vu ça souvent, ça joue pas en votre faveur. Ah, j'ai jamais vu, moi. Hmm? J'ai vu Saturday Night Faveur, mais. C'est sûr qu'il va falloir. Est-ce qu'il y a moyen que je purge une peine dans la communauté? Plutôt que d'aller en prison, là. Ben, dans la prison, c'est la communauté. Quel genre de communauté? C'est le genre communauté nos culottes pour faire plaisir à notre voisin de cellule. Ah, ce genre-là, ouais. Ça serait ça. Ben, est-ce qu'il y a moyen de réduire la peine au minimum? Je pense pas que vous ayez le contrôle sur la grosseur de sa peine. La peine d'emprisonnement, je veux dire? Pas de violence à l'arrestation? Non, non, non. Ils m'ont mis la main sur la tête en rentrant dans le char. D'accord. Puis, vous l'ont-tu mis sur la gueule en rentrant au poste? Non. Dossier criminel? Vierge. D'accord, vous avez pas l'ascendant? Je me rappelle plus. Ça, par contre, c'est bien, parce que dans ce temps-là, ben, ouais. Le juge est clément. OK. Bon, alors. Il est pas trop chien, Clément? Non, il est fait. Ah, ben. Les 2 minutes du peuple.